Ladies and gentlemen, welcome to the Marshmallow Show. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir, salutations et bienvenue pour ce deuxième épisode de Qui veut gagner des Zénis. Et j'ai avec moi aujourd'hui, voilà, j'ai cet honneur d'avoir Monsieur Fafa. Oh là là, cet honneur, t'aurais pu dire le grandiose, le génialissime, j'aurais préféré. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que je l'attendais. Le Fafa Show. Voilà, je voulais faire absolument. Donc merci pour cette invitation pour le Qui veut gagner des Zénis, ça fait plaisir. Et mon seul but, c'est d'écraser Kaïs, c'est tout. Mais là déjà, tu commences mal parce que t'as un copyright pour avoir chanté The Fafa Show, tu vois, déjà. Et de plus, ouais, c'est sur ta chaîne. On peut dire j'ai des preuves accablantes avant que j'ai la vidéo des commence. Accablantes, quoi. Non, ne commence pas comme ça, Marshma. La vidéo risque de ne pas être upload. Non, t'inquiète. Tu sais, j'ai des soucis avec YouTube, moi. Ne t'inquiète pas, le sang. Donc du coup, je vais expliquer les règles une nouvelle fois, que ce soit pour notre invité ainsi que pour les viewers, si vous venez d'arriver. Alors, il y a 3 paliers. Pour au total 12 questions, donc les paliers sont les premières questions, donc les deux premières sont simples, les 6 suivantes sont moyennes et les 4 dernières sont difficiles et tout ça pour arriver au million de Zénis. Je précise, je suis au RSA, hein, donc même si le mec il arrive au million de Zénis, je lui envoie même pas un euro, hein, voilà. Au cas où... Oh le crevard. Je m'en fous. Oh le crevard. Marshma, c'est le mec, il va au wok à volonté, il remplit ses poches avant de partir. Vas-y, pardon. Ouais, la dernière fois, toi t'as... Un ananas pour 20 euros. Bon, bref, là n'est pas le sujet. Là n'est pas la question. Donc, par contre, par rapport à qui veut gagner des millions, là, il n'y a pas d'histoire où je propose choix A, B, C ou D. Non, là, c'est soit tu as la réponse, soit tu l'as pas. Et si jamais tu l'as pas, il y a la possibilité d'avoir 3 jokers. Donc, à savoir le premier, qui est le switch. Si jamais une question est gavante, ça permet de passer à une autre. Le deuxième... Réponse à choix multiples, donc là par contre je propose choix A, B, C ou D avec bien entendu dedans la bonne réponse. Et le dernier joker, donc celui-ci c'est le joker Google où il y a 20 secondes pour aller sur Google. Parce qu'on va faire l'appel à un ami quand même, faut pas... Ouais tu l'ouvres mais t'y touches que si jamais tu prends le joker. Je peux échanger genre mes deux jokers contre 3 jokers Google. J'ai envie de te dire non. De toute façon, les règles chez vous, les Français, elles sont jamais flexibles. Voilà, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que ça marche pas. Vas-y, parle pas avec moi. Vas-y, je préfère rien dire. On a déjà fait un accent tout à l'heure. Donc, là. Ce n'est pas fini, j'étais dédié. Non, ce n'est pas fini là. Moi je me dissocie. C'est pas très couverte, hein, tout ça. Vas-y, enchaîne. Les règles, voilà, sont expliquées. Donc, on va pouvoir commencer ce deuxième épisode de. Qui veut gagner des Zénis? Ouais, bon, j'assume pas trop mon générique. C'est bon, je suis chaud. Monsieur Fafa. Ah putain, mais tu sais qu'à part quand j'étais en conseil de discipline, jamais on m'appelait comme ça, gros. T'inquiète, moi ici, je respecte les gens. Première question, pour 500 Zénis. Comment s'appelle le premier fils de Goku? Si je perds maintenant, c'est chaud, tu vois. Si je pense Son Gohan. Comme le nom de son grand-père. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est une bonne réponse. J'ai mis tout mon casque, mais c'est cool. Bien joué. On passe au palier 2, putain. Pas encore, il y a encore une autre avant. Et là, celle-là, elle est très très dure. Question pour 1500 Zénis. Comment s'appelle l'ange de l'univers 7? Tu sais, j'ai douté. Si ça commence comme ça, je doute qu'on fasse les 12 questions, mais c'est Whis. Whis comme le whisky, il me semble, si on prend l'étymologie des noms dans DBZ, voilà. Hein. Parce que tous les anges ont des noms d'alcool, tout simplement. Dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est une bonne réponse! Oh là là, on passe au deuxième palier. Là, c'est maintenant que tu vois, ça commence à devenir tendu. Genre là, c'est question moyenne déjà? Non, là, c'était les trucs d'enfant. Maintenant, on passe aux trucs moyens, tu vois. Ah, d'accord. Alors. Ouais, trucs d'enfant, oui, ça fallait savoir. Quand même. Pour 3000 Zénis. Ça fait déjà une belle somme. Hein. Où vivent les Namek pendant leur séjour sur Terre? Oh! Attends, gros.
Bah, c'est chez Bulma. C'est à la cave Fulcor, je crois. C'est... Attends, attends. C'est à toi de voir. Moi, tant que tu me dis pas dernier mot, je valide pas la réponse. Ouais, le problème, c'est que là, ça va faire une vidéo de 2 minutes, tu vois, si je me trompe. Ou pas, après, c'est entre toi et tes corones. Non, je peux pas utiliser le Joker maintenant. Non, non, mais c'est chez Bulma, c'est à la capsule corps. Dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh ben, je suis dans le regret de t'annoncer que... C'est une bonne réponse. Oh, bien putain joué, mais gros, tu sais que c'était pas facile, hein. Celle-là, elle était pas facile. Non, c'est simple, elle était corsée. Non, elle était corsée, t'es sérieux? De toute façon, j'ai flippé. Oh. Là, tu joues pour le respect de la team Fafa en plus que pour les ennemis. De toute façon, même si je perds, ils m'aimeront toujours. Je vous kiffe le chat. Ah, team Fafa dans les commentaires. Et lâchez un maximum de pouces bleus, ça fait plaisir. Question pour 6000 ennemis. Putain, ça fait déjà une belle somme aussi. Dans l'Arc-Bout, dans quelle ville Gohan va au lycée? Oh. Ouais, mais c'est pas des villes, c'est des capitales. Non, non, c'est... Là, il y a une ville avec un vrai nom. Avec un nom? Oui. C'est quoi les trois jokers? Le Switch, Google, et... Merde, je suis en train d'oublier le dernier. Et réponse à choix multiple. Vas-y, Google. Google, tu me dis dès que t'es dessus pour que je puisse envoyer les 20 secondes. Genre, juste, faut que je sois sur la page Google. Ouais, et après, j'envoie le truc. Dès que tu me dis que t'es dessus, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, putain, mais... 7, 8, 9, 10, wesh, ta question, elle n'existe pas. 11, 12, oh, 13, 14, 15, 16, 17, 18, c'est bon. Putain. 19, 20, ouh, stop. On retire les mains, oh là là, des gros claviers et des souris. C'est bon, je peux la mettre sur un... Non, pardon, je vais pas faire le bac. Orange City, putain, waouh. Mais comment tu voulais que je sache ça? Puis-je, si jamais ce n'est pas votre dernier mot, peut-être vous proposer un autre joker? Je dis rien. Non mais parce que je suis sur la page, je scroll plus ou quoi que ce soit. Oui. Non mais parce que la ville elle a changé de nom. Oh là, c'est horrible, Pélo. Moi je pourrais peut-être vous proposer un autre joker. Bien sûr, je vais utiliser un autre joker, je suis dans la merde. La ville à l'origine, parce que ce qu'ils disent sur le Google, mon spoop, à l'origine, elle était située à Orange City, mais malgré le changement de nom de la ville, l'école conservera son nom. Oui, mais on parlait pas de l'école, on parlait de la ville dans laquelle Gohan va au lycée. La ville, au début, elle s'appelait Orange City. Oui, mais ça, c'était au début, on s'en fout, c'est pas... Vas-y, je switch des questions, tu m'as saoulé, gros, j'utilise mon Switch. Le Switch? Ouais, de switch. Ouais, attends, j'aurais proposé le choix multiple, mais si vous préférez le switch. Non, mais le choix multiple, c'est un coup gros. Les villes, elles s'appellent Orange City, Cacahuète City, et genre, je vais douter. Le switch. Le switch, ouais. Je passe la question. Dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ok, bon bah, on switch. C'était quoi la réponse? Satan City. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, ça s'appelait vraiment Orange City au départ. Alors, la triche. La question Joker en plus a donc été switchée. Voici la nouvelle. Pour quelle raison la nuit ne tombe-t-elle jamais sur Namek? Parce qu'il y a plusieurs soleils. Dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est une bonne réponse. Waouh, gros, ah, fais pas douter comme ça, gros. Bah, parce que normalement, c'est logique, parce que, l'exactitude de la réponse, c'est parce qu'il y a trois soleils. Mais ouais, là, y a trois soleils, que tu viens déjà de cramer un joker. Non, mais je savais que c'était trois en plus. D'accord. C'est comme sur GT, la planète, je sais plus quelle planète, wesh. C'est bien. Donc, ce qui fait qu'il te reste quand même plus qu'un seul joker maintenant, et nous arrivons à la question à 12 000 zénis. Donc, c'est la sixième, c'est ça? Sûrement. Je prendrai pas le risque de survie ou non, je préfère dire chaud. Alors, pour 12 000 zénis, comment s'appelle la mère de Goku?
Jean. Boum! T'as cru que t'allais me piéger, mec. Jean, mec. Jean. Watashi wa su passage no desu. Jean. C'est ça, c'est Jean, c'est sûr. Avec un G, un I et un N. Dernier mot. Dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est une bonne réponse. Ça fait plaisir. Enfin, moi, je préfère l'appeler Guinée parce que pour moi, il y a un E dans l'histoire, mais t'inquiète, c'est pareil. Tu m'as donné l'orthographe. On est bien. On est bien, gros. On est bien. Le mec est quand même tatillon, hein, c'est tout ce que je tiens à signaler. Oui, bah soit on fait des c'est-à-dire quiz, que, genre, soit on les fait pas. Le mettez surtout pas pour un stream charité parce qu'il va gagner zéro thune, hein, je vous le dis. Question pour 24 000 zénis. Putain. Là, en étant un joueur de Dokkan Battle, ça peut t'aider. Ok. À combien se monte la force de combat de Freezer sous sa première forme? Oh là 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 là. Oh là là là, mais en quoi être un joueur de Dokkan Battle ça peut aider là? Comme indice, il y a une carte LR de ce joueur là où ça tape aussi fort, où il y a une histoire du genre. Donc, Putain, bah question à choix multiple, il me semble que c'est dans les. Si c'est le délire de la carte LR ou quoi, ça va être un truc genre 20 000. Moi je pensais à 30 000. Mais vas-y. Choix multiple. Le joker du choix multiple. Bah de toute façon il reste que celui-là. C'est pas faux. Alors, première proposition, 530 000. Ouais. Deuxième proposition. Ah ouais, genre j'étais 630 000. Troisième, à côté de la plaque. 730 000. Quatrième, 830 000. Il me semble qu'il y avait un 6. Il me semble que c'était 630 000 parce qu'il le... Je sais plus, il me semble que c'est Vegeta ou c'est le commandant Ginyu qui parle de la force de Freezer. Un délire comme ça. Ah putain, c'est chaud. Putain, oh, c'est pas facile, gros. Là, je m'en fous, je ferai une deuxième émission. T'inquiète, tu viendras pour la saison 2, mais... Ça va, moi je vais dire 630 000. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Et... C'est perdu! Non! Oh. Mais non, mais gros, t'as accentué, genre quand t'as dit 630 000, t'as pas le droit de faire des trucs comme ça. Non, la bonne réponse était 530 000. Oh putain! Et ça, je suis sûr que beaucoup de gens connaissent la réponse en plus à cette question. De la force de Freezer? Ouais, ouais, mais bon, c'est t'as tes tatillons. Vas-y, c'est une question sur des chiffres, j'avoue, c'est pas évident, mais... Tu sais quoi, au début, je fais « Ah, y'aura pas de question sur les films ». Ben non, t'inquiète, vas-y, c'est pas de soucis. Ce qui fait que t'as perdu à 24 000 zénis. Putain. Donc pour le moment... Keis, il avait perdu à combien? 72 000, Gekkeis. Pour le moment, c'est le grand champion. Deux questions en plus. Bon. Je perds tout dans ma vie, gros. C'est quoi? Je te réinviterai pour une saison 2, mais là, c'est... Gros, je perds mes challenge battle, je perds tout, vas-y. Non, mais ce qui m'a ken, c'est Orange City. Oui. C'est Satan City. Bah écoute, bien joué. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir hein, que tu puisses venir dans cette émission, même si là, tu as fait une piètre performance. J'espère que la team Fafa n'oubliera pas de lui rappeler hein, à chaque fois avec des hashtags 24 000 zénis. Hein, voilà, je vous en remercie d'avance. Laisse-moi tranquille, marche-moi. Ça, tu fais pas la gueule, ça t'a plu un peu quand même. Non, ça m'a pas plu. Ok, merci bien. Je gagne pas, ça me plaît pas. J'en ai marre. Oh là, tu peux pas, Marchman, il a triché, les questions de Keis, elles étaient plus simples. Non, pas forcément. Mais de toute façon, ils te le diront eux-mêmes dans le chat. Ils diront, ouais, Fafa, t'es bidon, c'était trop nul et tout, c'était trop facile. Non, franchement, putain, ça sent Satan City, quoi. Oh. Ok, avant de terminer la vidéo là-dessus, hein, je tiens à le préciser, bien entendu, il y aura la chaîne de Fafa dans la description, n'hésitez pas, je vous mets les deux, hein, celle sur ses lives et celle qui s'est fait strike, hein, parce que voilà, c'est un mec de strike, ça m'a fait très plaisir voilà, de pouvoir l'inviter, c'est un mec que je connais. C'est quand la saison 2 ? Mi-septembre, je pense, un truc du genre. Putain, je suis dégoûté. Ah, c'est un type que j'ai déjà eu plusieurs fois IRL, on rigole bien tout ça, donc ça m'a fait plaisir de l'inviter. Donc sur ce... Bah écoutez l'équipe, hein, le prochain épisode arrivera rapidement, je pense que je vais en mettre deux par semaine. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se retrouve à bientôt pour la suite de mes vidéos. Tchou bye, Simer. Ciao, ciao, la team.